en dépression, Adam. Non, elle est fatiguée. Il dit qu'il nous fait la poussée de croissance. Du coup, Emma n'a pas dormi. Avec ce soleil, je ne vais pas dormir. Ils sont malheureux, les animaux. Isaac, il dort maintenant. La belle vie. Il y a des vagues de ouf, là. On va aller surfer. Hein. Ah ouais, c'est Nazaré, ici. On est pas bien, là. Ici, c'est un de mes spots préférés. Juste pour cette vue-là. Là, hop, comme ça. Et ça s'appelle la Isleta del Mojo. En fait, un petit village là. C'est un petit village des maisons au toit plat. Si joli. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de se relever. Ah, ce que c'est, hein, mais justement, il allait la pousser. Non. Ça y est. Et Balto, il prend le relais. Yeah.
Jésus. Avec le magnifique projet de la DAO. Et ils ont enlevé le bateau à Jésus, donc ça veut dire que Jésus il a plus de maison. C'est un monsieur qui vivait sur un bateau abandonné, échoué. Et il vivait ici, quoi. C'est la mascotte du village, quoi. Donc voilà, bah, écoute, on sait pas si on va. Et l'autre il pisse sur le banc, ce con. Balto, viens ici! Balto! On voit très bien le visage là. Bon, ben, c'est parti à la recherche de Jesus. Hein. T'as pas fini? On pense que Jesus a déménagé ici, qu'il a quitté son bateau et qu'il est là. On essaie de l'appeler mais il répond pas. Mystère et boule de gomme. Moi j'ai pas envie de rentrer dedans. Moi non plus. Jesus, où es-tu? T'imagines, c'est pas lui. Là il y a un Espagnol qui sort avec son fusil là. Dégagez! Coño! C'est sûr que c'est Jésus. Jésus, il a pas répondu. Il a pas voulu sortir. Oui. Il se cache. Il a pris sa murge hier. Sûrement. Il n'y a pas qui d'autre que lui pourrait habiter ici. Il y avait des vêtements, enfin on voyait pas sur la vidéo, mais il y avait des vêtements, des trucs. Femme et d'homme. Ouais. Jésus s'habille en femme et en homme. Ouais. Balto, Link! Non, c'était pas son vrai prénom, c'est mes parents qui l'ont appelé comme ça, je crois. Enfin, il se faisait appeler comme ça et. Mais c'était pas son vrai prénom, je crois. Tu voudrais aller voir? Oui, tu t'étais fermé. Normalement, tout est ouvert. Un village, quoi. Là, il y a un sur le désert. Ah oui. C'est ça que c'était cool en fait. Ouais. Hein? Mais les copains! Ils sont trop chauds. Les chiens, ils savent parler toutes les langues, t'as vu?
Ouais. Je dois me prendre pour une folle avec un truc dans le dos. Oui, parce que j'ai un truc dans le dos. Ah, bah, dans le cul, c'est ce que je veux dire. Moi qui me plaignais de marcher comme un pingouin, et ben là c'est officiel. Je l'ai dans le cul, le balai. Oh! Quelle bande de type. Ah ouais, tu m'achètes? Pas de terrain, ça n'est plus là. Non, je rigole. On va manger? Ouais. Alors, on va manger. Ah, c'est charmant ici. Je pense qu'on va dormir là. Hein? Comment ça? Si tu veux, je te fais un Oui, c'est par là-bas, c'est vrai. Ils doivent le garder pour l'été pour les voitures ou je sais pas. Non, mais tu pouvais aller avec les voitures en fait. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Allez, je sais pas si vous voyez les belles fleurs là-bas sur super haut, t'as vu? Ouais. Je sais pas si on les voit sur la vidéo. Ouais. Et nous on est là et on va manger. On va manger. Para como? Para comer. C'est bon, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Marco? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais sérieux? Oh, le bébé, non, mais... Tu crois encore que t'es un bébé ou quoi? Avec son cul qui dépasse. T'es gros, faut que je conduise. T'es gros maintenant, Valdo, tu peux plus faire ça. C'est pour ça que j'ai monté dans les... Tu voulais manger les magnos? Tu veux manger les magnos? Tu veux les magnos? Le soleil avec toi? Ouais, c'est comme ça. Jump right now, that summer true to an end. They can't believe that just couldn't leave, and I bid adieu, my friends. God.
It's my bartender, she's from the islands. Her body's been kissed by the sun. Coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in a line, ass insane. Not a worry in a world of cold beer in my head. Life is good today. Life is good today. Adios, and bye, go deep. On the way from the air. Salut les copains. Bon, bah aujourd'hui, on est, on a pété un plomb hier. On a vu des copains, on a rencontré des jeunes, des copains quoi. Et on devait rentrer en France. Et là, j'ai ma copine Alex qui m'appelle et qui me dit, on a retrouvé Kaouette. Seulement, on n'arrive pas à l'attraper, ce qui est carrément possible, surtout Kaouette. Et du coup, on a décidé d'aller la chercher. Et sur la route pour aller chercher Kaouette, il y avait l'endroit où on a perdu Jacques et Louche. Et du coup, on a décidé de passer voir si on l'a trouvé, quoi. Et j'ai trouvé une cinquantaine de chats et de chatons sauvages, mais je n'ai pas trouvé Jacques et Louche. Et du coup, je suis allé taper un peu chez les gens et tout, voir si quelqu'un avait vu quelque chose, mais il n'en est rien. Du coup, on va reprendre la route direction Portugal. Quand je vais vous mettre en photo la carte du trajet qu'on est en train de faire, vous allez péter un boulot. Complètement malade, les filles, quoi. Bon, ben voilà. Allez, là, c'était la sortie pour les chiens, pour qu'ils fassent leurs besoins. Et on repart. Salut les copains. Bon, pour ceux qui suivent un petit peu sur Facebook. Alors, je précise que les vidéos YouTube sont tout le temps en décalé de 3 à 4 jours. Donc ce que je poste aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 4 jours. Voilà. Et dans le voyage, en 4 jours, il s'en passe des choses. Donc c'est vrai que pour suivre en direct ce qui se passe, faut aller regarder sur Instagram ou sur Facebook. Instagram c'est Emma qui gère et Facebook c'est moi qui gère. Donc le mieux c'est quand même Facebook. C'est assez actuel et récurrent quoi. Enfin bref. Donc voilà pour ceux qui veulent suivre. Donc pour ceux qui ont suivi sur Facebook et dans l'avant-dernière vidéo, on avait perdu le chat, Cacahuète. Portugal. Quand on était chez le mécano, elle est sortie et puis elle a dû avoir peur avec les bruits du garage. On a attendu 4 jours et en fait, enfin 4 jours. On est retourné plusieurs fois la chercher et on ne l'a pas retrouvée quoi. Donc, on l'entend. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a retrouvée. Viens mon chien. Et elle nous a fait une fête, on l'a retrouvée hier. C'est mon ami qui habite au Portugal qui m'envoie un message, qui m'appelle et qui me dit on a vu Kaouette, tout le monde l'a vu, nanana. En fait elle s'était cachée dans un moteur et en fait elle a eu la trouille de sa vie quoi, donc elle s'est planquée et mine de rien, il y a 2-3 semaines qui se sont écoulées entre temps et on la voit là en bas de la vidéo là et du coup pauvrette, c'est vrai qu'elle est un peu amaigrie. Elle a eu du mal à nous reconnaître, mais elle est là quoi. On l'a retrouvée. Dans le camping-car, c'est lui qui t'a appelé. Ah ouais, dès qu'elle est rentrée dans le camping-car, elle a capté direct que c'était sa maison quoi. Elle a fait la fête à Link. Elle lui a fait sa toilette. Isaac, ouais, elle a fait la fête à Isaac et tout. Enfin bref, non, c'était trop chou. Ah ouais. Mais contrairement à ce que je pensais, un chat il peut avoir certains attachements un peu comme un chien. Après j'ai eu plein de chats, mais c'est vrai qu'elle elle est bien particulière. Donc on est contente, on a retrouvé le chat, mais du coup on s'est allégé de 1400 km aller-retour pour aller la chercher. Je précise que 1400 km on les fait en 4 jours. En 3 jours. Là on retourne du côté de Valencia. On a les carapates qui nous ont envoyé un message en disant les filles, vous êtes où, nanana et tout. Donc on va essayer de les croiser et ça serait cool. Et puis en remontant, après on va en France, Perpignan, on va rester
rester jusqu'au mois prochain, tranquillou. J'ai plein de paperasses à faire en France, les réparations du camping-car. Donc voilà. Et après, on ira gentiment vers Montélimar. Et Adrien, on ne t'oublie pas. T'inquiète pas, on passera par Narbonne. Oui. Promis. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi qu'on devait aller voir, un abonné aussi. Une abonnée. J'ai plus. Ça va revenir. Et donc voilà. Ben après, n'hésitez pas si vous voyez que vous êtes sur notre trajet. Moi, sur Facebook, je poste régulièrement nos trajets futurs. Bon, c'est vrai que ça change régulièrement parce qu'on n'a jamais vraiment de programme. Mais enfin, on a des programmes, mais c'est un peu freestyle, quoi. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous dire ben, on est par là, t'es pas loin. On a vu aussi des jeunes qui nous suivaient sur Facebook qui vivent en camion avec leur petite fille de 4 mois. 5 mois, on les a vus du coup en Espagne, à Murcia, à côté de Murcia. Voilà, donc faut pas hésiter, nous on adore rencontrer du monde et voilà. Donc là, en fait, on est sur le retour, on vient de sortir du Portugal, là, on est sur la route, et direction Valencia. Voilà. On va essayer de croiser les carapates. Des bisous!